غريبة عنها وقد عالوش اللعبة عنها بابين وبابين وبابين وقد غولت ناكيني ما يلي غريبة عنها Justement, dans la foulée, bon, il y a eu Séchir Karma Ali, l'ancien joueur de Lyon, qui est devenu l'entraîneur qui a fait gagner. C'est le Emeja qui est algérien, Rabbi Odokrobalkhair, celui qui a gagné le seul titre de l'équipe nationale. Ouais. Jusqu'à maintenant, alors qu'il y a eu des... Mais je ne comprends pas pourquoi les gens oublient ça. Oublient l'équipe de 90. Mais justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que vous avez gagné aussi la Coupe Afro-Asiatique contre la grande Iran. L'Iran, elle n'est pas apparue en, 2002, là, ou en 98. Exactement. L'Iran, elle a toujours été forte. On a gagné, on a fait un là-bas, on a gagné un. Ouais, c'était les premières sélections de Dzéré en équipe nationale. Il y avait même Yazid. Ouais. Yazid Sanjak aussi. Il y a fait Ferraoui, Kader aussi. Ouais. Non, mais, je ne sais pas pourquoi on parle pas de ça. Et juste, c'est la seule équipe qui a ramené l'étoile pour l'Algérie. Non mais moi ce que je comprends pas, c'est qu'en ce moment on est dans les commémorations, il y a plein de journaux, il y a plein de coupes et tout ça, on donne des ballons d'or, des joueurs du siècle, des souliers d'or, des machins, des étoiles, et j'ai jamais vu un joueur des années 90. Il y a des joueurs comme Asfaou Tablida, on le contrôle pendant une heure avant qu'il joue dans la tribune. Blida, je l'ai vu de mes yeux, ça. La tribune officielle, alors qu'il y avait plein de gens qui n'avaient rien à y faire. Je comprends pas. On dirait, ils sont passés de 82 à 2010. 82, ils n'ont pas gagné titre. Ils ont gagné un match. 82. Ils ont gagné un match. Oui, c'est pas un titre. C'est un match de coupe. Carquefou aussi a battu l'OM. Ils sont où, Carquefou, je veux dire. L'OM est toujours là. Je vais te faire un truc par rapport à ce que tu as dit, Hafid Tasfaout. Je crois que nous, les anciens joueurs, je sais pas, on n'est pas. Dès qu'on arrête. On nous oublie ou on nous jette dans l'armoire ou je sais pas moi. Il y avait un match pendant le Ramadan Algérie la Gambie ou je sais pas qui c'est. La Gambie ouais. Éliminatoire Coupe du Monde je crois ou Coupe d'Afrique. Ça, juillet en 2007. Exactement. 2006 ouais. J'avais une invitation. C'était pas le tribune officiel, c'était à côté de la tribune officielle. J'allais rentrer dans la tribune officielle. Il y a le gardien du stade. Il me reconnaît. J'allais rentrer, il m'a dit, Moussa, je m'excuse, toi, c'est pas par là. Toi, c'est de l'autre côté. J'ai 12 ans d'équipe nationale, champion d'Afrique, capitaine d'équipe de la sélection, et tu te fais balancer par un simple employé du stade. Le directeur du stade était à côté. Non, mais... Le président de la fédération était à côté de moi. Il n'a même pas pu intervenir. Il m'a fait la bise, ça va. Il m'a dit, pourquoi tu n'es pas venu très tôt? Et lui, il vient d'arriver. Non, mais c'est n'importe quoi. J'étais, à l'époque, j'étais sur le terrain. Ouais, et maintenant, mais c'est... Tu étais la star de l'équipe, tu t'es sacrifié. Même les joueurs, vous avez des joueurs, quand ils voient des anciens joueurs qui sont derrière eux, ça les motive plus que quelqu'un d'autre qui ne connaît rien au football, qui ne le connaît pas. Non, mais même médiatiquement, moi quand je vois certaines pubs d'opérateurs téléphoniques, on nous prend des joueurs de 82 qui ont 50 que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas, qui donnent un drapeau à des joueurs d'aujourd'hui, et le drapeau, c'est pas le drapeau, ils auraient dû donner, c'est la canne. Aux joueurs d'aujourd'hui, gagner là. Regardez, là, avec tous les moyens qu'on a maintenant, on n'a pas gagné la CAN, hein, car de demi-finale, on en a pris 4. Hein. Et vous avez gagné la CAN jusqu'au bout, dans des conditions difficiles, parce que c'était au pays, et c'était la fin d'une génération, le début d'une nouvelle. Normalement, ça me rappelle un peu, toute proportion gardée, le coup de l'Euro 84. Les joueurs de 84, c'est en France qu'on les a oubliés aussi. On est passé de 80... des anciens 98 direct, et ben c'est pareil. C'est normal, 98 c'est chaud. Regardez, on fait des appels d'offres pour des DTN, des entraîneurs de moins de 18, moins de 20, mais il y a des Asfaout qui fait du très bon boulot, il y a du Saïb, il y a des joueurs, Chico Aftar, il ne mériterait pas un joueur du siècle ou un truc comme ça, tout ce qu'il a gagné, Aftar, il a quand même joué à l'USMA, il a joué à la JSK, il a beaucoup de titres. Vous n'en parlons pas, vous c'est plus haut. Tu sais, nous, moi je ne sais pas, c'est la vérité, donc moi, je ne vais pas critiquer. On ne critique pas, s'étonne. Moi j'aime bien, je voulais que l'équipe de 82, c'est vrai, il y avait une belle équipe et tout en 82, elle a gagné ce qu'elle a gagné. Moi, c'est notre génération qui vient après eux, celle de 90, on vient. Moi j'ai bien voulu apprendre avec eux des trucs. Soit ils nous apprennent, soit on prend des exemples sur eux, mais eux, ils ont ni travaillé,
Ils ne nous ont même pas laissé travailler, ils ont bloqué la route à nous. Oui, oui. Non, eux, je vais te dire la vérité, je m'en fiche, ça me m'attirait des trucs. Eux, c'est après nous, il n'y a rien. McEnroe, Wallow, ils se sont battus pendant des années, après nous, il n'y a rien. Et là, quand les jeunes. Oui, mais non, c'est ça. Moi, j'aimerais. Comme on dit en français, ça fait. Ne donne le flambois. Non, mais ça fait comme on dit. Succession. Voilà, comme on dit en français, ça fait un peu vieux con. C'est-à-dire, après nous, McEnroe, Wallow, avant c'était mieux, oh là là, avant les années 60. Moi, tous ces gens-là, chaque fois qu'il y a un joueur qui apparaît, ils sont consultants à la télé, ils le brisent. Oh non, non, le niveau est pourri maintenant. Non, il faut dire oui, il y a un nouveau qui est là, allez, reprends le flambeau et tout ça. C'est ça que je le reproche, ils ne nous ont pas aidés. Non. Ils ne nous ont pas ouvert les brèches, ils n'étaient pas derrière nous pour nous aider, pour nous donner des conseils. Vous êtes fait tout seul dans des conditions de guerre civile, entre guillemets, de terrorisme, de moyens zéro, d'être en faillite. Vous avez réussi à jouer combien de cannes? J'ai joué 5 cannes. Il y avait l'affaire Carouf, hein. J'ai joué 5 ans sans l'affaire Karouf, on était qualifiés. Avec l'affaire Karouf, ça faisait 6 cannes. 6 cannes, et j'ai en tout et pour tout 18 matchs de phase finale de Coupe d'Afrique. Joués. 18 matchs joués. Oui. Donc, tu fais les comptes. Et alors, à cette époque-là, là, on n'aurait pas allé dans les Champs-Élysées tous les jours. Hein. À l'époque, on n'avait pas les quarts de finale. Hein. À l'époque, c'était l'hôtel Mouflon d'Or qu'on ne payait pas, quand les joueurs arrivaient, ne voulaient pas les accueillir. C'était la machine à café simple, c'était les équipements brick-broc. C'était jamais le même maillot deux fois de suite. En 90, on était à l'hôtel du 5 juillet. Hein. À l'hôtel du 5 juillet. On dormait, je sais pas quoi, tu vas le voir, c'est infernal. Ouais. Mais c'était la solidarité. C'est les déplacements dans les avions en militaire à Boufarik où il n'y a pas de chaises et tout ça. Les avions qu'on a emmené les gens au Soudan dedans, là, tu vois, Omdurman. On est parti en Libéria, j'ai jamais eu peur de ma vie comme le Libéria. On part dans un avion militaire, l'aéroport est ouvert de partout. C'est une guerre civile au Libéria. T'as l'hôtel qui est pourri, tu sais même pas, tu vas jouer ton match et tu te casses. Non, mais c'est. Ça, et je trouve que ça. C'est des bons souvenirs. Je me rappelle le chauffeur du bus, qu'est-ce qu'il a fait? Il était à la station d'essence. Il nous a dit, vous me payez l'essence, sinon je. C'est des bons souvenirs. Mais on a payé de notre poche. Non, mais c'est vrai, c'est des sujets intéressants. C'est une histoire. Moi, je comprends pas. Attends, il y a Nasser qui est devant moi. C'est des chaussettes aussi. Hein. Il faut parler, c'est des vérités. Une fois, on jouait en Coupe d'Afrique en 2000. Ouais, quand il y avait Nasser entraîneur contre l'Afrique. Nasser était entraîneur. Les équipements verts. Voilà, on jouait le dernier match contre l'Afrique du Sud. Et il y avait, je crois, la réunion technique du matin, il y avait, on montre les maillots et tout. Et comme les chaussettes, eux, ils sont des chaussettes blanches et nous, pareil, on a des chaussettes blanches. Donc il y avait la pièce, quoi, et bien, l'arbitre a demandé à nous, les Algériens, de changer les chaussettes. Comme on n'avait pas de chaussettes, on n'avait que les blanches, on n'avait pas de vert, on n'avait pas de rouge, rien. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont envoyé quelqu'un pour acheter des chaussettes. Et la personne s'est plantée. Au lieu d'acheter des chaussettes, l'acheter des mes chaussettes. Ouais, des chaussettes normales de monsieur tout le monde, pas des chaussettes de foot qui montent en haut, pas des. On se retrouve avec ça, tu vois, tout ça, c'est le charme de tout. C'est bien c'est de des anecdotes. Tout ça. Non, ce qu'il y a, c'est que. Ça, on avait ce qu'il y a, c'est que maintenant. Dans le football, maintenant, on met une étoile sur le maillot, mais qui l'a gagné cette étoile? C'est nous.